crois que mes amis, là, Hervé, est-ce que vous êtes prêts rapidement? Voilà. Rapidement, c'est l'association de l'ONG. On pensait. Je suis Raymond Papé, président de la Fédération nationale des associations et ONG des personnes âgées et président de l'ONG Solidarité Senior Côte d'Ivoire. Nous avons été invités par l'ONG au Cabinet pour venir participer au Forodé qui est lié à sa 3e édition. Nous sommes venus apporter notre soutien à l'ONG Solidarité, à l'ONG au Cabinet qui est membre de la fédération de la FINAPACI dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous sommes venus apporter notre vision, montrer notre vision, une nouvelle vision des personnes âgées, une nouvelle vision des seniors qui doivent se prendre en charge, qui doivent considérer que le troisième âge est une autre vie qu'ils doivent vivre et non pas une attente pour aller de l'autre côté. Nous sommes venus apporter à Corodé et à tous ceux qui sont là un espoir de nous retrouver, d'être ensemble, car l'union fait la force, pour porter à la connaissance de nos dirigeants les problématiques des personnes âgées, car nous, c'est nous seuls qui pouvons, qui connaissons, qui vivons, qui connaissons nos difficultés et qui pouvons donc mieux les exprimer en ébauchant des solutions que les gouvernants adopteront. L'essentiel, c'est de prendre en charge les personnes âgées. Sans exclusive, depuis l'agriculteur, le forgeron, le commerçant, jusqu'au retraité, car tous, chacun à son niveau, a contribué au développement de notre nation. Merci. Bonjour, chers amis de la presse. Je suis Madame Nico Madeleine, présidente de l'ONG au Cabinet. Alors, je vous remercie parce que vous me donnez l'occasion de reporter au grand public la quintessence de cette troisième édition. C'est ça, hein? La troisième édition de Corodés s'intitule « La prise en charge des personnes du troisième âge, l'économie des seniors ». Il se déroule aujourd'hui, 28 et 29 novembre 2019, à la Caisse de stabilisation du Grand Plateau. L'essentiel, ce qu'il faut retenir de cette troisième édition, c'est que nous marchons vers la maturité. Alors, nous pensons que au cours de cette troisième édition, nous devons monter un peu d'un cran au niveau de la connaissance de la formation. Parce que notre rôle, c'est de porter la formation, c'est de porter une certaine connaissance à nos parents qui, à un certain âge, qui n'ont pas eu cette grâce d'apprendre ces choses-là, hein, ces thèmes-là, quand ils étaient jeunes. Alors, autant à cet âge-là, on a besoin de les accompagner. En fait, c'est un accompagnement. Un accompagnement que nous faisons, une assistance. Et le Corodé, c'est un événement annuel qui nous donne cette opportunité. C'est pour cela que nous nous réjouissons du fait que nous sommes venus nombreux. Et vous également, grâce à vous, pour que cette nouvelle soit portée. Alors, nous retenons que les Corodés, avec ce thème-là, nous permettent de nous rendre compte que nous avons du travail à faire. Nous avons beaucoup de travail à faire, ce n'est pas seulement en ville, ces professeurs, des médecins que nous allons tout le temps convier. Mais une fois qu'ils ont porté la nouvelle, ça va faire tâche d'huile. Nous, notre objectif, c'est d'atteindre les villages. Et nous sommes sur le terrain dans les villages. Parce que ce que nous faisons, nos parents qui sont au village n'ont pas cette grâce. Donc, pour sortir de là, nous allons entrer sur le terrain avec nos bénévoles, avec les personnes, les sachants. Nous aussi, nous évoluons dans les villages. Donc, l'économie des seniors, c'est important. Il faudrait que les seniors se rendent compte que non seulement ils sont importants en nombre, en effectif,
mais ils sont aussi importants en valeur. Donc ils ont un marché à prendre. Un marché autour des personnes âgées, c'est important. C'est quoi? C'est le marché de la santé, le marché du bien-être, le marché de tout ce qui est leurs vêtements, tout ce qui est médicaments, parce que la personne âgée ne doit pas manger n'importe quoi, n'importe comment, ne doit pas dormir n'importe où, n'importe comment. L'habitat, tout ça, c'est des sujets qui nécessitent une plateforme, un marché important. Dommage qu'en Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas cela. Nous essayons d'impliquer cette... Alors, quel message a le professeur Adjouari de Pascal? Je suis chef du service ORL du CHU de Cocody, ORL otorhino-laryngologie. C'est-à-dire que nous nous occupons des problèmes du nez, de la gorge, du cou, des oreilles. Et je suis aussi président d'une ONG qui s'appelle l'Organisation Ivoirienne pour la parole et l'audition. Et aujourd'hui, nous avons été invités par l'ONG Ouka Benga, qui s'occupe en partie des personnes âgées, des seniors, et pour venir intervenir sur le problème de l'audition, qui est un processus normal donc de perception des ondes auditives, eh bien, qui progressivement, avec l'âge, les cellules de l'audition vont mourir progressivement et donc cette audition va baisser et le patient va rentrer donc dans un état de surdité. Et c'est ce qu'on appelle la presbyopie acousie, c'est-à-dire donc cette diminution d'audition liée à l'âge. Et c'est pour donc, dans cette conférence, nous avons dit que c'est un état qui évolue, j'allais dire, globalement, naturellement, mais c'est un état que nous pouvons donc agir, nous pouvons agir par la consultation, qui va permettre de faire le diagnostic d'une surdité de perception liée donc à la réduction des cellules de l'audition, à une diminution de la perception donc auditive, et nous pouvons mettre en place des processus de traitement. Les processus en général sont des processus de suppléance en fonction de la baisse de la surdité, c'est une prothèse des prothèses auditives qui sont des processus de suppléance et de solutions auditives qui vont permettre donc à l'appareil donc d'augmenter le son dans les fréquences où le sujet a des difficultés à entendre. Et éventuellement, pour des cas bien précis, lorsque la surdité elle est extrêmement profonde, eh bien, c'est possible que cela puisse s'organiser sous forme d'implants cochléaires. Parce que quand les cellules sont complètement mortes, eh bien, on peut les remplacer par ces implants cochléaires qui permettent donc au sujet de réentendre. Et ces solutions donc, de réhabilitation de l'audition dans ces cas-là permettent au sujet de rester actif, de rester dans la société. Il a beaucoup d'expérience qu'il peut partager pour ne pas qu'il s'isole. Il ne faut pas qu'il soit considéré comme un ancien vieux qu'on ne doit plus entendre. Non, au contraire, il faut qu'il reste dans la société, il faut qu'il fasse des réunions, il faut qu'il soit il reprenne donc sa place dans la famille et dans la société. Merci.